Comme on dit souvent, on pop la demande. Vous avez demandé, redemandé. Finalement, c'est là. On va parler de la masturbation masculine. Déjà, c'est quoi la masturbation? On le sait tous. C'est se donner du plaisir soi-même. Comment est-ce que les hommes se masturbent? Généralement, c'est de manière... comme tout le monde le comme tout le monde connaît. Non, moi je connais pas. Explique-nous. Oui, okay, Seigneur. Ok. C'est pour les filles, tes yeux, tes pas. Ouais. La quasi-totalité des hommes ont une manipulation manuelle de leur verge. Habituellement, ils caressent l'ensemble du pied. Du P. Parce que je vais dire ça comme ça. Les enfants. Oh là là, mes enfants. Il y a. Ils caressent. Le geste même d'avoir, ça dit tout. Tu as encore dit quoi? Ouais. Ils caressent l'ensemble du pénis en faisant glisser la peau dans un mouvement de va-et-vient. Donc c'est un peu comme, enfin non, je ne vais pas comparer, mais c'est genre le même mouvement que tu fais quand tu es en pratique avec une fille, tu vois. Mais sauf que là, c'est avec ta main que tu fais le mouvement. Donc, et ce que les hommes ne savent pas, c'est que ce n'est pas que comme ça que vous pouvez vous masturber. Ce n'est pas que en vous couchant, regardant les photos là, que vous masturbez. Non, il y a beaucoup d'autres techniques. Par exemple, il y a des hommes qui se font des pénétrations anales. Pardon. Ouais, donc là, c'est du tout vrai. Attendez. C'est vrai, tu commences à caresser la verge. Il faut te stimuler le point J. Tu commences à caresser la verge. Je peux parler ou pas? Vas-y. Tu commences à caresser la verge. Ensuite, pour augmenter le plaisir, tu te pénètres. Ouais, les mots rudes là, je ne suis pas d'accord. La porte de l'enfer. Tu stimules le la partie intime. La porte de l'enfer, voilà, avec les doigts ou alors avec un ou deux doigts ou alors avec un truc qui va un gode, on appelle ça comme ça les godes, ou alors d'autres parfois se massent la prostate. Pour l'excitation, pour ta pute, pourquoi tu souris? Non, moi c'est l'autre là. C'est... Oui, il se masse la prostate et l'orgasme est très souvent particulier quand tu ajoutes à ça le fait de masser ta prostate. Le reste aussi, les hommes savent aussi que quand tu te masturbes, tu peux aussi te caresser le corps, tu peux te toucher la poitrine. Les hommes ont trouvé ça bizarre que ouais. Les hommes, quoi? Oh là là, je suis très sérieux. Non, honnêtement, gars. Je suis très sérieux. Je veux masturber quoi? Ça ressemble à quoi? On va directement. Tu dis, ma fille, j'ai commencé la mort. Putain, non. Tu m'as même attrapé, j'ai encore bougé, ma main qui est feu. C'est vrai qu'il y a les garçons qui ne vont pas trouver ça viril. Mais c'est comme ça. Crazy. Ça, c'est pour. Bon, c'est vrai qu'il y a les cas. Il y a les garçons qui se massent juste que. Papa, je veux juste verser et puis ça va. Mais il y a des garçons que vraiment, ils ont besoin de sentir le désir monter, l'excitation augmenter et tout là. Ils vont faire ça, ils vont se caresser, se bisouter même l'épaule, se toucher partout là, un peu comme les filles le font aussi. Parce que vous aussi les garçons, quand il y a les préliminaires, on vous touche, on est d'accord. Donc c'est un peu ça. Les hommes se masturbent généralement pour se donner du plaisir à eux-mêmes. Non seulement, mais pour aussi se découvrir. Savoir comment est-ce que fonctionne leur système éjaculatoire et érection. Si c'est la masturbation qui est pour apprendre ça, c'est que tu es nul. Donc, ils se masturbent pour connaître comment est-ce que leur truc se lève, comment est-ce que et quand est-ce que ça se couche, comment est-ce que ça sort, comment est-ce que le temps que ça prend pour sortir, s'ils sont endurants, si. Enfin, ils se posent beaucoup de questions pour savoir, et c'est ça qui les pousse à se masturber. Se masturber trop souvent peut-il influencer la qualité du sperme? Ouais. Je vous pose la question. Ça fait comment? Se masturber trop souvent peut-il affecter la qualité du sperme? Ouais. Si, je pense, mais... Ouais, non, tu dis oui, toi, tu as... Le sperme. Tu as demandé qu'on réponde. Mais au cours, maintenant, tu es suspecte, hein. En vrai. Est-ce que tu... Non. Emma. Ouais. Emma, non. Oui, c'est vrai. Ouais. Ça affecte la qualité du sperme. Après une période réfractaire, l'homme peut recommencer à avoir une pénétration et une masturbation, mais il faut 3 jours pour que le fluide soit complet. Parce que quand tu le fais constamment, ton fluide, ça devient transparent, moins lourd, tu vois.
Et moi, je sais pas si la quantité aussi, ça joue sur la quantité. Oui, même la quantité aussi. Mais la qualité, là, c'est vraiment différent. Ouais. Ça a moins de spermatozoïdes et tout. Mais c'est toujours ça, ça peut enceinter une fille. Donc, ouais. Oui, ça peut. Le moins de temps qu'on faisait, c'est qu'elle était astérile. Putain, donc tous les jours, tu... Non, il y avait une période où je faisais, genre, il pouvait même le faire, peut-être même, genre, je fais après, reste comme ça, après, il fait encore. Après, tu vois un peu, non, peut-être après, chaque 30 minutes. Mais d'un temps, à la fin, là, ton film, c'est comme l'eau. Ça me faisait peur que mais c'est même ça qui a fait qu'elle arrête déjà. Oui, merci. C'est quoi la masturbation à sec pour vous? La masturbation à sec, c'est quand tu utilises pas l'eau. Tu utilises ta main, c'est juste le contact entre ta main et ton pied, sans huile, rien, c'est tout. C'est ça. C'est ça, non? Ça n'a rien à voir avec l'eau, bien le lubrifiant, rien. C'est quoi? Non. Enfin, on ne le sait pas toujours, on ne sait pas encore ce que c'est que la masturbation à sec, mais on peut avoir des masturbations à sec avec très peu d'érection. Je m'explique. La psychosexologue que je suis... Je me comprends, vas-y. Ce phénomène n'est néanmoins pas très fréquent. Il est davantage connu pour des initiés de la sexualité et requis vraiment de se connaître. Quand tu ne te connais pas, ta masturbation... Parce que... Tu peux forcément te masturber sans rien, tu vois. Tu ne mets pas ta main. Bon, vous avez déjà essayé ça? Ouais. Gabriel, tu masturbes sans mettre la main. Oui. Tout se joue dans la tête. Mettre ta main. Sans les gestes de... Ça est bien et toi. Tu te couches, tu pars dans ta tête et pam, ça sort seul. Mais on sent un expert dans la matière. Mais c'est comment ça, c'est comment faire les expériences. Mais c'est exactement ça, la masturbation à sec. Tu ne te touches pas. Tu es juste couché. Tu joues à... Tu non, mais Gabi, pardon. Je ne veux pas voir les trucs. Il faut un peu plus de chaleur, quoi, genre. Oui. On est que hot. Oui. Tu ne te touches pas rien. Personne n'aime avec toi. Tu es seulement là, couché, fermé, les yeux fermés. Tu imagines... je sais pas. Bon, c'est même plus intense quand tu imagines une fille que tu veux, tu as toujours voulu, tu vois. Tu vois, tu commences à avoir ton érection, ton corps commence à faire les trucs bizarres. Tu imagines tes cris et tout. Voilà, c'est dans l'imagination. La masturbation détend. Aussi, si tu es enrhumé, il faut te masturber. Je m'explique. Si tu es enrhumé. Est-ce qu'il peut se rapprocher un peu de ça? Serena, est-ce que vous entendez mes secondes? Mandela, Mandela, non, tu n'es pas arrivé. Non, attendez d'abord. Bonjour, il est 11h38. On termine, s'il te plaît. La masturbation activerait, selon une étude, des composants du système immunitaire durant l'acte. Cela contribuerait à augmenter le nombre de leucocytes, plus connus sous le nom de globules blancs. Oui, si elle savait dire ça depuis comme ça, vraiment, ajouter la leucocytique dans le sang. Donc, si tu es malade. Enfin, enrhumé, mais pas les grosses maladies, genre sur le palu. Ne crois pas que se masturber, c'est un anti-palu. Paludéen, non. Utiliser sa main contre le cancer. La masturbation aussi, ça permet de lutter contre le cancer. Donc les gars, moi, je vous encourage, masturbez.